Serviteur dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous allons en ce moment faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, les versets 6 à 8, suivi de 1 Samuel 1er, les versets 17 et 18. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre du séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en possession un trône de gloire. 1 Samuel 1er, 17 et 18. Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Ainsi s'achève la lecture de la parole de Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous disons bon Dieu merci pour grâce et privilège qu'il a accordé nous. Pour le permettre, pour le rendre possible, pour encore cette année, nous ensemble, et quoique nous avons traversé un moment assez difficile, un moment de bouleversement mondial, mais Dieu fait grâce, Dieu reste et demeure fidèle. Nous reconnaissons envers mon Dieu, et nous voulons saluer l'ange de l'Église, le pasteur Dovillier et sa femme. Nous saluons les collaborateurs, les pasteurs, les leaders de l'Assemblée. Et également, nous saluons le département des dames qui choisit pour mettre à part cette semaine-là et de rafraîchissement spirituel au cours de laquelle nous aurons à nous entretenir sur ce thème assez gracieux. C'est la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu. Et j'en ai sauté la lecture là dans 1 Samuel, chapitre 2, et verset thématique, hein, c'est verset 8e. Donc, à ce moment-là, comme message de lancement, message introductif, hein, et nous pourrons particulièrement axer sur approche thématique, là. Et nous aurons toujours à faire une adaptation de l'approche textuelle. Et sujet non pour asseoir comme message introductif, c'est l'importance de la grâce de Dieu. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous donnons merci pour grâce, merci pour bien faire, merci pour miséricorde envers nous. Dans mon moment, ça, Seigneur Dieu, nous présentons la vie nous devant et la vie de tout un chacun. Et quel que soit le monde qui suit dans un moment ça, que ce soit en présentiel ou au moyen des réseaux sociaux. Et nous prions le Seigneur que parole lui sortit avec grâce, avec onction, avec puissance et autorité, afin que la vie nous a transformé, la vie nous a régénéré. Et qu'en retour, nous fassions le bon dépôt de ta parole. C'est ainsi que nous t'en prions, Père, non, en vertu de nos mérites, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ, qui a vécu et qui a régné au siècle des siècles. Amen. L'importance de la grâce de Dieu. Mot grâce, c'est un thème, un concept qui vraiment qui d'une importance extraordinaire, qui a une importance capitale pour la vie de tout un chacun. Qu'il s'agisse de nous qui sommes sauvés et également de ceux qui sont encore en dehors de la grâce, puisque nous sommes dans le temps de la grâce continuer à étendre d'âge en âge hein, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes encore aujourd'hui au temps de la grâce, mais un jour viendra où grâce là, temps de grâce là va cesser. Et bien, ce sera le jugement. C'est la raison pour laquelle nous devons
continuer à vivre dans la grâce là, nous-mêmes qui recevons le salut et attacher nous et de façon que nous marchions, que chaque jour nous continuons à marcher dans la grâce là jusqu'à ce que le Seigneur va retourner venir chercher nous dans sa grâce là, et il va joindre nous dans notre marche dans la grâce. Alors, mot grâce là, c'est un mot qui trouve origine dans langue grecque là, de charis. Et charis se définit comme faveur, bonté, compassion, une faveur imméritée, ce que nous ne méritons pas. Et par exemple, nous avons cité un condamné en prison et président de la République, il a une prérogative légale pour gracier le monde qui était condamné. Et à partir de cela, cette personne recouvre sa liberté. Donc, dans un contexte biblique, on nous a dit que la grâce est le don de Dieu. C'est la manifestation de l'immensité de l'amour de Dieu pour les perdus depuis en Adam. Car le péché est entré par un seul homme, mais la grâce personnifiée, notre rédempteur, notre divin sauveur, notre Messie, la personne de Jésus, eh bien c'est lui qui vient en grâce à nous, comme le second Adam pour nous sauver. Donc, comme je viens de dire, la grâce est le don de Dieu, c'est la manifestation de l'immensité de l'amour de Dieu. Car apôtre Paul dit nous dans Romains 3, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Pour nous parler à ce soir, pour nous présenter l'importance de la grâce de Dieu, et nous allons essayer d'évoquer quelques raisons en se basant sur les Écritures saintes, quelques raisons qui montrent nous effectivement grâce là a une importance capitale. Puisque la Bible s'auto-explique, donc de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, nous va toujours prendre des textes pour essayer de comprendre l'importance de la grâce de Dieu. Comme première raison, nous avons dit que y a une première raison qui fait nous comprendre que si nous avons parlé de la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu, y a une première raison, c'est que la grâce provient de Dieu. Dieu est le rémunérateur de la grâce. C'est lui-même qui, c'est de Dieu que ce plan de grâce, ce plan de rédemption a été conçu. Et de nous considérer 1 Pierre 5, le verset 10e, il dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera et vous affermira, vous fortifie et vous rendra inébranlable. Apôtre Pierre, là, dans le temps de maturité que arrivé, lui, ouais, la grâce de Dieu, lui parlait du Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce. Et Apôtre Jacques lui-même, dans chapitre 1er, verset 17e, là, il va ajouter toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous voyons que ce Dieu rémunérateur, il est le Dieu de toute grâce. De lui vient toute grâce excellente et tout don parfait qui descend d'en haut. Il dit que ce Dieu Elohim, ce Dieu souverain, chez lui, il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation, ni changement. C'est ça qui permet de nous comprendre effectivement, puisque c'est lui le rémunérateur,
c'est lui-même qui, c'est par lui, le plan de grâce a été conçu et il va veiller jusqu'à l'accomplissement de sa parole, l'accomplissement de sa promesse envers l'humanité. Ce Dieu de toute grâce. Et ça qui est important pour nous comprendre que bon Dieu de grâce, concept grâce à, à travers la Bible. Et nous comprendre que lorsque nous parlons de Dieu qui est le rémunérateur de la grâce s'est révélée très tôt, depuis à l'origine de l'humanité, depuis la Genèse. Car lorsque l'homme fit péché, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, lorsque l'homme fit péché, nous allons comprendre que bon Dieu va manifester l'immensité de son amour, parce que il n'est pas d'accord perdu l'homme. Non seulement il fait plan de salut, hein, ce plan de rédemption en Genèse 3:15, mais nous voyons ouais, que les l'homme va faire un habit de paille pour le mettre de feuilles pour le mettre sous lit, mais Dieu va se manifester dans sa grâce. Eh bien, libre à le faire dans Genèse 3:21, on habite de peau d'une façon que pour bailler l'homme une couverture de grâce, puisque sans effusion de sang il n'y a pas de sacrifice. Eh bien, il y a un sacrifice ça qui pourrait le faire à partir de des animaux. Et l'homme prend sous une couverture de grâce, puisque l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, Jésus n'est pas encore venu pour se manifester en grâce, mais depuis à la création, la grâce, le provider, eh bien, il était manifesté en grâce en faveur de l'humanité. Donc, notre première raison, hein, une raison d'importance capitale, c'est parce que la grâce provient de Dieu. Encore, si la grâce provient de Dieu, qu'en est-il de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque lors de la création, eh bien, le conseil divin formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit fait l'homme à son image. Donc, notre Seigneur Jésus et également le Saint-Esprit pour gagner une partition pour jouer dans ce plan de grâce. C'est à fait, nous parlons de deuxième raison, hein, c'est parce que la grâce est reçue en Jésus-Christ. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et ça, nous allons comprendre. Apôtre Paul va le dire, nous, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 4e. Il va le dire, nous, je rends grâce à mon Dieu continuellement. Je rends grâce à mon Dieu continuellement et action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que la grâce de Dieu nous a été accordée en Jésus-Christ. Et nous comprenons que dans Éphésiens chapitre 1er, la parole de Dieu nous dit que nous avons été élus avant même la fondation du monde. Donc, ce plan de grâce, ce plan de salut, ce plan de rédemption, il est fait avant même la fondation du monde. C'est ça fait, même lorsque l'ennemi a fait n'importe bagaille pour ta mettre fin à vie, non? Mais nous déjà avons provision de grâce qui est faite pour nous avant même nous dans le sein maternel. Donc, le Père, du Père provient la grâce. En Jésus-Christ, nous recevons la grâce. Et également, une troisième raison, c'est parce que la grâce est opérée ou encore activée par le Saint-Esprit. Et nous allons plus comprendre ça, et nous considérons un texte dans l'Ancien Testament, écrit par le prophète Zacharie. Et le texte a dit, dans chapitre 12, le verset 10e, il dit, « Alors, je répondrai sur la maison de David et sur tous les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Un esprit de grâce et de supplication. Donc, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est donc l'esprit de grâce. Et nous comprenons immédiatement plan, en fait, pour nous, ce plan de grâce qui commence à révéler depuis en Éden, et bien plan ça a continué d'âge en âge, de génération en génération, et la grâce
s'étend encore sur ma vie, sur votre vie, ou même qui a écouté la cunia, ou même qui a entendu des paroles, ça, si ce n'est pas grâce, bon Dieu, je dis à nous pas là. Si ce n'est pas grâce, bon Dieu, l'ennemi a été éliminé nous déjà. Mais grâce soit rendue à Dieu. Eh bien, couverture de grâce, ça, c'est lui-même qui kembe nous. C'est à travers grâce, ça, n'a marché. Et la grâce continue à se révéler, non seulement pour nous, mais également pour nos familles. Les révéler pour l'Église, là. Les révéler pour chacun d'entre nous. Et grâce, ça continue à manifester. Si la grâce provient de Dieu, si Jésus-Christ, ça, c'est la grâce est reçue à travers Jésus et opérée par, opérée ou encore, j'aime le mot, activée par le Saint-Esprit. Donc, une quatrième raison que la PCE évoquée pour nous comprendre l'importance de la grâce de Dieu, c'est que la grâce est la source du salut. Donc, elle dit que grâce, ça, c'est moteur salut. La grâce, ça, c'est instrument qui conduit, c'est le canal qui conduit au salut. Et pour nous mieux comprendre ça, encore nous avons fait un saut dans le Nouveau Testament et dans un texte, dans l'Épître générale qui est écrit par Tite. Et il dit que Tite 2:11, il dit que car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc comprendre que et la grâce a été accordée par Jésus-Christ. Et maintenant, nous comprenons que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, sous ça, il traversait, il vivait vers nous. Il dit la grâce de Dieu, source du salut. Nous comprenons que, eh bien, ce plan de grâce, ce plan de rédemption, la grâce est la source du salut. C'est ça fait nous besoin attachés à grâce là. Nous besoin connectés dans vraie source là. Source du salut, source ça, les sources inépuisables ça, la source du salut. Et verset 13 après dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est que lorsque nous recevons la grâce, lors de notre conversion, nous confesser le nom de Jésus, nous accepter Jésus pour sauver et maintenant, parce que la parole de Dieu nous dit que dans Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quel que soit mon nom, sans exception de personne, quiconque croit ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Les sources grâces là jaillissent, les sources là, pas grand un torrent de grâce là, pas grand rien qui a obstrué là, pour le traverser d'âge en âge, génération en génération. Pas grand qu'un grand, pas grand qu'un roi de la terre, pas grand qu'un trône, pas grand qu'un dignité terrestre qui a empêché, qui a stoppé trône de grâce là. C'est ça qui fait nous comprendre que la promesse quand est faite, promesse de grâce là, source du salut là, la personne de Jésus lui était faite et mis en quand en pile embûche, lui passer dans la vie, lui passer dans la vie d'Abraham, le père de la foi, lui fait des gales, passer dans la vie de Moïse, lui passer dans la vie de David, lui passer dans le patriarche. Mais ça seulement nous connaît. Ennemi a capé de retarder promesse là. Il a capé ouais comment il t'a bouché canal d'irrigation pour source du salut à arriver jusqu'à nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, le plan de rédemption a été fait non seulement pour les Juifs, mais pour nous aussi, nations, toutes les nations païennes, parce que la parole de Dieu est déclarée déjà dans l'alliance abrahamique. Il dit toutes les nations seront bénies en toi, en ta postérité. Et la postérité d'Abraham, ce n'était pas son fils biologique, en l'occurrence Isaac, mais c'est la postérité spirituelle en Jésus-Christ. Les grâces à les lui arriver pour grâce à manifester, pour grâce à personnifier en la personne de Jésus, en rien pas qu'à empêcher. C'est ça qui fait comprendre jusqu'à aujourd'hui encore, pas rien qu'à empêcher grâce à continuer à faire prospérer.
dans la vie, non. C'est ça fait nous besoin. Si dans le moment ça, nous mettez nos temps à pas pendant que situation assez difficile, nous avons une période assez difficile, côté yon fléau frappé le monde entier, COVID-19, il n'y a pas de porte, il n'y a pas frappé, il n'y a pas de rentrer avec fracas, d'un côté qui y a un système de codification, côté où n'importe où pas rentrer, mais maladie franchie, c'est ça qui fait nous comprendre que la vie nous c'est seulement, la vie nous en bas couverture de grâce là, les maladies incurables viennent, les fléaux à frapper, et bien grâce là qu'à contrecarrer, les qu'à repousser, c'est ça qui fait nous besoin, rester dans grâce là, rester cultiver la grâce de Dieu, rester attaché à la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est source du salut, et ni à te vle comprendre, il était qu'à empêcher grâce là, canal d'irrigation, il voulait camper avec péché dans la vie de l'homme, mais nous comprenons que les torrents ça, torrents d'amour, torrents de grâce là, les sous-sables chaillis, eh bien, les poussés péchés mettaient dehors dans la vie nous, et les rentrer et ça nous comprend, puisque nous avons été appelés, élus, sauvés, rachetés par la grâce là, et ça nous comprend, les paroles de Dieu nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Oui, si une seule explication, une seule définition à la grâce de Dieu, eh bien la grâce c'est le don de Dieu. Le don de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit comme gage de notre salut. C'est ça que Paul dit dans le livre d'Éphésiens. Le Saint-Esprit c'est gage salut. C'est lui-même qui authentifie salut, non. Tout cela actuellement, puisque le Saint-Esprit est notre guide, et bien c'est lui-même qui permet que le canal d'irrigation continue à curer, même le péché de ta vie pour l'obstruer et un fleuve ça dans la vie, donc, fleuve d'eau vive là, source d'eau vive là, mais cet esprit là pour les convaincre du péché et puis pour le balayer, pour le nettoyer, pour le curer, pour le purifier afin que grâce ta continue à couler. Nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous rendons grâce, nous rendons action de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous est quatre raisons qui pouvaient nous que grâce là est important pour nous. D'abord, nous avons la première raison, hein, la grâce provient de Dieu. La seconde, la grâce est reçue en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Également, une troisième raison, la grâce est opérée ou encore activée par le Saint-Esprit. Et quatrième raison, hein, qui est notre source, qui c'est fondement. Salut, non? Eh bien, la grâce est le fondement de notre salut. La grâce est la source, le moteur du salut. Nous devons rester dans grâce, parce que Dieu revient en grâce, dans sa grâce, dans toute sa grâce, dans la manifestation de sa grâce et de sa puissance pour venir chercher l'Église là. Qui t'est sauvé, qui est régénéré et qui est pour le tourner pour le jeune nous, sans aucun ride, eh bien, inébranlable. Donc, s'il est vrai, comme message introductif, nous lancer là et nous parler de l'immensité, de la manifestation, de l'immensité de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu vers l'humanité. Donc, nous comprendre, et il est important pour nous faire adaptation avec texte là, puisque texte a tiré de Samuel là, côté nous connaît que l'histoire de Samsa. Femme ça Anna qui c'est une femme côté qui était en stérilité dans sa vie une façon nous avons stérilité dans vie non une stérilité c'est son barrière qui empêchait nous porter bon fruit qui empêchait nous porter bon don là. Mais il était barrière dans la vie il était un obstacle il pas capable produire reproduit la reproduction biologique. Mais ça que nous comprenons, il y a quelques bagailles qui vivent dans nous. La parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, puisqu'il est le Dieu de grâce.
Anna, t'as pas connu des douleurs, des moments difficiles, puisque l'impact t'a enfanté. Et d'autant plus, il y a un pénis qui t'a bail problème, qui a augmenté la douleur. L'homme femme n'a pas qu'à enfanter, c'est une douleur pour lui, que ce soit pour lui-même, dans l'environnement. Mais nous ne pouvons pas comprendre l'homme pénis qui a activer souffrance, eh bien, ils ont doublement de souffrance. Mais nous comprenons que la grâce est manifestée dans la vie de femme, ça, puisque la servir au bon Dieu souverain. Anne était toujours continué à monter dans le temple, lui rentrer dans le temple, lui monter à Silo, la déposer et souffrance, la déposer amertume, et c'est ça nous comprenons. Sa manifestation de grâce l'a fait en faveur de Anne, puisque nous te voyons que grâce à qui c'est sous salut, le Saint-Esprit qui active grâce là dans la vie, nous, qui a dit la parole de Dieu nous dit que les mettait un esprit de grâce et de supplication. Et bien, nous comprenons que Anne avait reçu cet esprit de grâce et de supplication. Lui pas rester la quereller, la tyranniser avec Pénina qui c'est une concubine de Marie, lui, malgré des jeunes attention Marie. Il y a quelques bagailles, frères et sœurs, dans le Seigneur. Attention, nous humains, pas qu'à faire pour nous, on n'a rien pour nous. Attention, Marie, attention, la femme, attention, de petite, ou même, on compagnon de genoux. Mais c'est la tension divine. Lorsque Dieu aura jeté son regard favorable en notre faveur, c'est lui qui a guéri. Parce que Jésus, lui, c'est bon, Galal. C'est lui-même qui a rentré en profondeur dans la vie, nous, pour guérir nous. Et nous pouvons comprendre. Les paroles de, la parole de Dieu pour dire nous dans le chapitre 1er. Anne montée à Silo avec cet esprit de grâce et de supplication. Amertume, la Bible nous dit que il y a l'amertume dans l'âme. Et il pleura abondamment. Il versait des larmes au pied de son Seigneur. L'aile t'est montée, il t'a jeté des larmes, il t'a prié, il t'a fait intercéder, il t'a supplié. C'est pas un sacrificateur qui t'a supplié, c'est pas un prophète qui t'a supplié, mais il t'a déposé l'âme devant le trône de Dieu. Et nous comprenons, si cri péché, nous avons cri devant le trône, mais le cri de nos supplications, le cri pleure, nous avons cri qui montait vers le trône de Dieu. Et ça va activer la manifestation de la grâce de Dieu en faveur de Anna. Et ça fait nous besoin qu'on ait, dans temps difficile ça, nous besoin à le poter complètement au pied de notre Seigneur. Même Jean femme pécheresse là, il était venu dans le pied de Jésus, il était versé des larmes, il était sué pour mettre là, dans l'humilité, dans la sagesse et avec détermination, et bien la grâce de Dieu était manifestée en faveur de cette femme. Donc, l'amertume dans l'âme, il pleurait abondamment. Mais nous pouvons comprendre, dans le verset 17e, et bien même si dans un premier temps, sacrificateur n'a pas qu'à comprendre, il pensait son monde qui boit, mais femme, ça a été répondre avec sagesse, avec respect et pour serviteur de Dieu. Il dit non, c'est pas boire, mais m'a répondu non, moi. Et également, le sacrificateur aura reçu l'esprit de révélation, l'esprit de vérité. Il va déclarer parole ça sous la vie de femme ça. Il dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous comprenons que j'en ouais que bon Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce là, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Et bien, les déclarer sur la vie, Anne, lui dit, pars en paix. Le Dieu d'Israël va l'exaucer prière. Nous comprenons le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la grâce, le rémunérateur de la grâce. De lui vient la grâce. Et en Jésus-Christ, la grâce l'a révélée. Puisque l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Même lorsque Jésus peut venir manifester, personnifier là, eh bien, mais il était toujours là. Eh bien, grâce à t'es rentré dans la vie femme ça. Et nous pouvons comprendre quand la grâce, Dieu est souverain. La caille n'est pas gain ni changement ni ombre de variation. Il fait grâce à qui il veut. Eh bien, le temple, te gen pile moun, c'est vrai. Pénina te vini avec petite, c'est vrai. Lika te vini pour te offrande, c'est vrai. Avec contentement, avec réjouissance.
Mais ce jour-là, il y a eu une femme avec des larmes aux yeux qui a répondu d'abondance à les écluses des cieux qui l'ouvrit et regard favorable qui jeté sous la vie de A. Ça fait un moment ça, un moment difficile que nous traversé. Les dames de l'église de Dieu de la grâce, quel que soit l'autre monde qui a écouté à travers les réseaux sociaux, quelles que soient circonstances, nous n'avons pas besoin d'éviter de répandre nos larmes. Parce que et même nos soupirs, les gagnés, Dieu interprétait même nos soupirs. On nous rété dans grâce là. Potez fardeau nouveau, la caille bon Dieu. Potez fardeau nouveau au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est un Dieu souverain, la caille n'est pas bien, ni changement, ni ombre de variation. Un jour viendra, chagrin à nous bien pour le transformer en allégresse. Alléluia. Le Dieu de grâce, lorsqu'il les manifester, eh bien, les révéler dans la vie, nous, les changer peine, nous, en joie. Peine à nous, pour nous changer en joie. Et Anne, un jour, il est pour chanter un cantique. Et nous comprendre que Anne va répondre avec cet esprit de grâce et de supplication, esprit de prière, esprit d'intercession. Il va répondre, il saisit l'homme de Dieu à déclarer sous lui que le Dieu d'Israël, le Dieu de grâce, exauce sa prière. Il répond, ainsi soit-il. Il va y amen avec cette expression que ta servante trouve grâce. C'est ça, nous comprenons l'importance de la grâce. Anne te comprend l'importance de grâce là. Il connaît bon Dieu Israël là. L'elle monte dans la présence bon Dieu. S'il rentre avec un défaut, il a changé, il a transformé. Il rentre avec une stérilité. Alléluia. Amen. Il rentre avec stérilité pendant des années, mais bonjour, la grâce de Dieu va manifester en faveur lui. Il va changer stérilité en fertilité. C'est à faire à soi à déclarer, quel que soit aspect dans la vie qui stérile, quelle que soit stérilité spirituelle, si COVID-19 la vie, la font marcher à reculant dans la grâce de Dieu, nous déclarer à soi à l'instar de Anne, monter la présence de bon Dieu, faire de rafraîchissement spirituel ça, moment de grâce où saisir la grâce de Dieu, saisir la grâce de Dieu, verser les larmes, venir avec cantique nous, avec nos louanges, nos actions de grâce, venir avec offrande nous, là côté nous y est, envie de déposer dans le pied du Seigneur, et en retour, la grâce souveraine, il va manifester en faveur nous, en faveur l'église nous, en faveur littéralité avec stérilité, l'issoti avec fertilité. Eh bien, à soi, quel que soit côté, dans minute ça, quel que soit moment, côté va garder en même en différé, va prendre qui stérilité, nous déclarer son maladie rend nous stérile, qu'on recevoit la fertilité de la santé au nom de Jésus, une santé robuste au nom de Jésus, que la grâce de Dieu rentre la caille nous, demeurer, que nous restons la grâce. La grâce est importante, nous ne pouvons pas utiliser le mal. À soi, avant que nous terminions, on nous dit, puis go gaspiller grâce là. Samson te gaspillé. Saül gaspillé. Judas gaspillé grâce là. On nous saisit la grâce. Saisissons la grâce là. Saisissons la grâce ce soir. Parce que c'est dans la grâce là, notre Seigneur Jésus-Christ, il va venir pour venir chercher l'église là. Stérilité. Anne rentre en stérilité, il sorti avec fertilité. Bah qu'on a qui péché, à qui sort et vini à soya, à qui fardeau, à qui douleur, nous déclarer que fertilité, nous réclamer, nous prophétiser fertilité, fertilité spirituelle, fertilité économique, fertilité dans centrale famille qui pas quitter stérile, fertilité dans maladie incurable, fertilité au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Nous déclarer que nous passons un moment béni au nom de Jésus. Grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, nous déclarer tout esprit de fertilité, anathème, et tout esprit de stérilité, anathème, au nom de Jésus, et que nous recevons un esprit de grâce, esprit d'intercession, esprit de prière, onction, grâce, puissance, autorité, fertilité dans nos vies de prière, fertilité dans notre marche chrétienne,
dans la grâce jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Restez dans la grâce de Dieu. Amen. Moi, amen. Bon Dieu bénisse nous.